Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombad Media là, là depuis Bombad Police. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou encore avec yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressés, pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombad Media Now là. Et bien, nous pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Comment on a parlé là, travail construction barrage sur rivière Marion en fini à 97%. Président Jovenel Moïse qui était réuni pendant un bon bout de temps avec technicien responsable chantier, bay population en rendez-vous, premier mec qui vini là dans la commune Grand Bassin, Terrier Rouge, pour inauguration barrage là. Moi, je connais Marion construit seulement pour protéger mon malfaits contre inondation, pour nous faire poisson, pour produire courant, pour user terre. C'est ça que je connais. Mais je vais vous donner l'autre nouvelle encore. Quantité de l'eau pour aller. Pas évapotranspiration, transpiration de l'eau ça a monté, c'est un coup la permettre nous vienne plus quantité millimètre la pluie tomber dans zone là. Et pas oublier Marion, c'est une rivière qui n'a bassin hydrographique noir, il y a un petit gros bassin hydrographique pays a rien. Il y a 42 rivières qui sont là dedans. Elle mesurait 1000 km carrés. Il représentait un 27e territoire national là. Mais invitez tout le monde dans tout le pays, 1er mai 2021, pour l'inauguration du barrage Marion, plus gros ouvrage qui fait sur un mandat au président depuis le pays a existé. Ça veut dire m'inviter tout haïtien pour venir là, pour venir avec Denawe nous, là il y a une volonté, il y a une vision, il y a une détermination, il y a une équipe tout. Équipe, ministre ça ensemble avec moi aujourd'hui, que je profite, remercier, féliciter, dire équipe. Même j'étais avec le premier ministre ça, qui déterminait depuis mars ensemble avec nous dans notre travail. Équipe ça qui campait comme un seul homme, qui campait avec nous, qui rend gros ce travail ça, l'impossible. 12 barrages te prévoient fait pendant le mandat président Jovenel Moïse là. Dans mi temps perturbation politique, c'est 3 qui rivaient fait. Marion, La Tannerie et barrage sous rivière Massacre. Chef l'État dit lui satisfait de ce que secteur paysan a bénéficié en pile de travail ça. Toi, pour qui ça c'est toi seulement nous fait? Pays loc, crasé brisé, boule machine, boule l'école, boule tout bagarre dans le pays, boule équipement. C'est lui qui mette nous dans la situation côté nous, nous sommes supposés faire 12, nous fait 3. Même profite l'occasion pour me dire toute femme, toute femme qui est dans la politique, yo, pour me faire un seul conseil. Gardez de l'heure. Nous voyons du Valais aller, même des petits mouns. En 1985, le pays a chaud. Nous voyons du Valais aller à Jodia. Gardez combien de brigandages qui fait dans le pays a déjà. Barrage microcentrique électrique sur rivière Marion entre à l'arroser environ 10 000 hectares. Il y a un réservoir 10 millions de mètres cubes et puis 3 digues en terre pour faire remplissage. Il y a deux conduits de l'eau qui sont installés sous barrage rivière Marion et puis un déversoir en béton qui a une capacité 450 mètres cubes chaque seconde, avec une station pompage solaire 53 kW. Ça fait deuxième rencontre. Conseil supérieur police nationale l'a fait dans moins passé 24 heures de temps pour joindre une meilleure façon pour combattre l'insécurité dans le pays, et spécialement le phénomène kidnapping. Le président Jovenel Moïse a annoncé un ensemble de dispositions qui prend. Parmi eux, renforcement contrôle au niveau douane et port. Et puis, une ligne téléphonique pour la population accès à des informations rapides dans le moment où le kidnapping a fait. Nous rencontrons tout, moi, c'est l'ordre pour le contrôle qui fait en douane pour nous renforcer le contrôle. Par exemple, contrôle qui pour fait particulièrement dans le port Saint-Marc, dans le port Cap-Haïtien, dans le port Lafito. C'est côté plus âme et munitions passées entrées en un pays. Et sous même aspect ça, nous demandons au Premier ministre pour presser rencontrer avec le ministre des Affaires étrangères pour rencontrer avec l'autorité américaine. Sous question ça, pour être plus bon coup que nous avons parce que les munitions yo, avec un pile dans les âmes, ils sont dans des conteneurs. Des faits personnels qui soutient les États-Unis qui sont en Haïti. L'autre décision nous prenons, même quand nous connaissons pour les affaires coronavirus, nous avons créé une ligne rouge, une ligne téléphone rouge. Nous demandons au ministre de la Justice là, pour rapidement gagner une ligne rouge qui crée 24 heures sur 24 pour kidnapping. Ça veut dire
la police annonce nous que nous avons un call center déjà, c'est-à-dire un centre d'appel, qui est capable de recevoir toute quantité d'appels que le monde a bien pour nous faire. Nous croyons qu'il a arrivé jusqu'à 250 appels heure. C'est-à-dire c'est pour permettre que tout le monde qui a des informations sur les affaires de sécurité, c'est-à-dire qu'on va arriver devant ou elle, il faut nous suspendre dans les affaires G-Web Bouche PA, c'est G-Web Bouche Palais. Et là, ça, nous avons toujours qu'un B anonymat, nous n'avons pas besoin qu'on ait. Qui nous, c'est justement la collaboration police-population. Et l'autre point encore important que nous citons sur lui, nous parlons de lui, c'est les affaires compagnie sécurité. Parce que dans toutes les compagnies de sécurité qui importaient munitions avec Zama Feto dans le pays, nous croyons qu'il y a un contrôle qui va le faire pendant 5 dernières années pour voir exactement quelle quantité, quel type de armes que les compagnies ont importé, qui côté y est, qui est-ce qui observe avec eux, et quelle quantité de munitions tout pour nous comparer, pour nous voir quantité de munitions qu'ils ont commandé avec l'utilisation, pour nous garder est-ce que ça est soutenable. Puis devant chef l'État fait remarquer phénomène kidnapping nan gen en couleur politique tout pendant li annoncer création yon cellule qui va renforcer unité anti kidnapping en dans PNH là pour affaires auteur intellectuel kidnapping pas oublier nous te songer dans l'année 2013-2014 comment kidnapping ta ka dit depuis 2011 comment kidnapping t'a fait ravage dans le pays. Une seule arrestation t'est faite et puis kidnapping dans le pays. Et nous songer dans l'année 2016, disons 2015-2016, kidnapping non, jusqu'en 2017, kidnapping non à zéro. Ça veut dire, pour raison qu'on l'a, disons, là nous parlons de 2017, même 2018, parce que en fait, c'est, nous commençons qu'on ait gros vague kidnapping dans le pays à partir de décembre 2019. Pour arriver à un moment à parler là. C'est pour dire que le kidnapping n'a rien objectif qui n'est pas objectif seulement pour kidnapper les gens pour faire l'argent, mais il y a un objectif politique. Forme de décision finale que nous prenons une décision pour nous mettre une cellule anti-kidnapping rapidement pour renforcer la cellule anti-kidnapping dans le DCPJ. Mais ce n'est pas mon cap sur dehors qui vient dans la cellule. Ça, pour nous clair pour nous comprendre ça. Ça veut dire son synergie qui peut créer entre toute entité qui est dans l'État déjà. Je voulais parler de sécurité publique avec nouveau secrétaire d'État sécurité publique. Là. Nous voulons parler de ministère intérieur. Nous voulons parler de toute notre entité qui travaille dans les affaires d'enseignement et d'intelligence dans le pays. Pour nous mettre tête ensemble. Sous leadership directeur général de police, pour nous capables de mettre un bon contrôle dans les affaires de kidnapping. Président Jovenel Moïse félicite caractère pacifique, manifestation, divers secteurs dans la société a été fait dimanche 28 février à Port-au-Prince. Une fois encore, chef l'État a demandé opposition à mettre tête à gouvernement pour adresser problème pays dans l'intérêt de chaque grand monde qui vit sous territoire national. Même j'ai plusieurs secteurs dans la vie nationale là, remettre proposition yo dans le cadre d'élaboration nouvelle constitution. Organisation femme yo fait même exercice là vendredi 26 février dans le cadre du forum national, comité cap travail sur nouvelle constitution réalisé dans tête collée avec ministère conditions femmes et droits femmes. Actuellement, 143 pays sur 195 garantissent l'égalité des sexes au niveau de leur constitution. Des changements juridiques et législatifs majeurs sont nécessaires pour garantir les droits des femmes dans le monde. En Haïti, l'opportunité nous est donnée aujourd'hui à travers l'élaboration du projet de constitution de consacrer le principe d'égalité homme-femme. La nouvelle constitution d'Haïti doit faire disparaître les inégalités de fait et à transformer la perception sociale qui met en évidence la supériorité de l'homme par rapport à la femme. Article 16, dans le document, qui parlait de principe de parité
qui est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics. Et la loi électorale prévoit des dispositions encourageant les partis politiques à désigner des femmes aux postes électifs. Nous-mêmes, nous reformulons, nous dit de préférence le principe de parité exigeant 50% de femmes et d'hommes est respecté à tous les niveaux de la vie nationale. Et la loi électorale prévoit des dispositions contraignantes, nous connaît malgré tout effort qu'a fait dans le secteur pour encourager, pour mesdames participer dans la politique pays. Nous connaissons les partis politiques qui n'ont pas de volonté. Et d'ailleurs, il y a plusieurs obstacles qui contrecarrent par rapport à la participation politique, mesdames. Par exemple, il y a la féminisation de la pauvreté, il y a l'éducation, il y a les violences politiques. Donc, il faut mieux peur. Il y a un même comité à mon agent. Rappelez participants yo, proposition qui déjà faite en faveur secteur femme nan. Aujourd'hui, nous rencontrons à secteur femme nan, nous pas dit c'est toute femme yo qui là, mais c'est représentant presque toute femme yo et à partir de tout département yo. Nous avons avant projet constitution ça, nous avons gagné article 17.1, nous avons gagné parce que nous avons encore cette constitution, la constitution amendée de 1987. Nous pas gagné un quota. Article 17.1 qui n'a pas de dit, il y a au moins 30% de places qui sont réservées à mesdames et nous avons plus de femmes dans l'ancienne législature. Nous n'avons pas de quoi de quota. Plus goumé, plus travail, violence dans la question élection, plus les présents, c'est moins de femmes qui ont une possibilité pour être élues. Et deuxièmement, depuis ces femmes qui candidat, ils ont sorti toute bagaille pour empêcher les femmes d'avancer et pour empêcher la communauté en société pour les capables de voter pour les femmes. Donc, c'est ça qui fait aller plus loin, aller vers la parité. Parce que le ministre a expliqué déjà, équité, égalité, nous déjà avons une politique, égalité homme-femme déjà. En dans pays, hein, que l'État haïtien si hein, que l'engagé en dans convention CEDEF, en dans convention Belém do Pará, en dans pacte international relatif aux droits civils et politiques, pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Mais c'est bien d'avoir un cadre légal. Mais en dans maman loi pays, hein, nous proposer parité hein, en lieu et place de quota. Ministre Conditions Femmes et Droits Femmes, là, Marie-Ghislaine, mon premier. Insister sur nécessité pour constitution à changer. Madame mon premier mettait accent sur le famille de jouer pour permettre des démarche ça aboutir. Pas quand pas côté mesdames, si nous quand pas côté c'est nous qui a perdu, c'est petite nous yo génération qui a perdu. Femme tendez nous en atelier dit que mais ça nous voulait pour une fois nous gain la voix parce que ben nous la voix c'est pour nous prendre. Le mouvement femme dans depuis nous jeune bagaille, quel que soit côté sorti à depuis nous pour nous c'est pour nous prendre. Mesdames, mettez tennis, mettez bout de pantalon, prends-moi, nous allons faire mesdames, faire carte électorale, yo. Investir pouvoir. Mais pour nous investir pouvoir, faut nous, disons nous son constitution, faut nous participer dans le référendum, non? Pour constitution en passé, et maintenant pour nous aller à l'élection, cap venir. C'est sous dictée population, on a travail. Déclaration président comité M. Boniface Alexandre qui mandait organisation yo continuer voyer suggestion yo bay comité a yon manière pour aboutir à une constitution qui reflète besoin réel population. Nous pas mettre travail là. C'est sous dictée peuple n'a travail. Tout ça va écrit là yo. Nous pas écrit yo nous même quand pour beaucoup rien n'a écrit tel bagaille. Non, nous consulter peuple là. Constitution n'a fait pour le peuple, avec le peuple. Tout ça, peuple n'a pas voulu, nous pas voulu. Constitution n'a pas dit tout bagaille, non, pas fait pour l'écrit tout bagaille, non. Si Constitution a été écrit tout ça, gagné, eh bien, c'est 5 volumes, c'est la loi mère. Ça veut dire toute loi qu'elle fait, il faut baser sur lui, pour y faire, pour loi pas inconstitutionnelle. Pour travail nous fait aujourd'hui, moi je suis satisfait. Je suppose que tout comité est satisfait. Cependant, nous avons voyé suggestion par le comité. Le comité a étudié suggestion.
tout ça possible là-dedans, tout ça bon là-dedans, tout ça valable, n'a pas de gens pour nous insérer. Nous tous là-dedans, c'est un baptême ça, premier forum, avec l'organisation famille réalisée. Même comité a annoncé, il y a des pour réaliser l'autre forum à travers le département. Ça y a environ 3 mois, Ville Jérémie te recevoir 18 têtes d'un courant. Samedi 27 février, c'est avec satisfaction président Jovenel Moïse lancé courant 24 sur 24 la Jérémie dans cadre projet Limé Haïti. Magistrat, je dis, depuis 35 ans, Jérémie va dire qu'on courant 24 sur 24. À soir, nous disons Jérémie, t'as des mémoires environ là, nous prenons des avions pour vacciner, pas vrai? Ça veut dire, c'est pas au centre de l'électrique qui va grand pas. Mais, tout du moins, à partir d'assaut, il y a 5 moteurs dans la centrale. Il y a 2 transformateurs tout neufs. Parce que l'homme devine 10 septembre. Nous devons prendre une décision pour débattre nos 18 heures de courant. Son seul transformateur usé de terrain là. Nous avons 2 transformateurs qui sont tout neufs, qui là. Chaque transformateur ça vaut 3 MW. Ça veut dire que 2 transformateurs qui prennent 6 MW. Qui là? Transformateur 9 ça y est. Yo même, des techniciens qui sortent dans la compagnie Kakabila, qui n'a jamais vu depuis hier matin, qui travaillent pour faire tous les 4 moteurs ça y est. Faire yon. Ça veut dire qu'on pièce en deux centrales là. Qui lui-même soit à moi, ça veut dire pas synchroniser tout le monde ensemble. Ça veut dire même si Jérémy t'a demandé 6 MW au seul coup, c'est pour 4 moteurs avec transformateur, avec synchronisation, le travail tout Jérémy, au seul coup 6 MW. Demande Jérémy, je dis. D'après ça, directeur central de la zone, directeur général EDH, Jérémy m'en demande. L'Alna est de pointe, puis ça veut dire qu'il a besoin plus courant, qui moins que moitié central. Ça veut dire 2 green moteurs, nous avons 5 moteurs là. 2 green moteurs supposés alimenter Jérémy, sans problème. Mais ça me dit nous aujourd'hui, mais me dit nous chaque qui là, courant, même j'avais le téléphone qui nous met nous là, mais plus meilleur, il n'est pas gratis. Ça veut dire là l'État prend disposition pour mettre le courant disponible. Nous-mêmes, c'est pour nous payer le courant. Administration président Jovenel Moïse là fait plusieurs autres travail dans la centrale EDH Jérémien. Koulia EDH Jérémien a une capacité pour stocker 50 000 gallons de gaz. Il y a 2 transformateurs tout neufs qui ont une capacité 7 000 kVA. C'est comme ça tout, le président de la République l'a fait qu'on ait des marches pour installer le pont sous rivière Grand-Anselin avancé. Nous augmentons la capacité. Je dis à nous la capacité de nous stocker 50 000 gallons de gaz ici. Là. Longtemps, l'homme devine là en juillet, là, pas même 40 000 gallons de gaz. Je dis à nous avons 50 000 gallons. L'homme devine là en juillet, l'idée pour petit transformateur, 2 500 kVA. Jodia, il y a 2 autres transformateurs, tout neuf, 7000 kVA. Ça veut dire que c'est pour jouer. L'homme dit mettre courant son nécessité liée. Pas de jouer dans ça. L'homme met pouvoir, il faut exigence. Ou même c'est pour sa ville. Tant que vous avez pont sous rivière Grenoble, vous connaissez que pont qui sous rivière a 70 ans. Pour ça fait, le président estime être inauguré. Avant coup d'État au Mali en un mois, mai 1950, de 1950 à 2021, fait 71 ans depuis qu'on s'est inauguré. Nous disons à soi, moi-même nous t'ai voté, moi-même nous t'ai baillé, droit pour parler dans nos lois. 94% de nos gens ont un droit pour parler dans nos lois. Nous sommes comme nous, moi je veux voir. Je veux que. Qui pour commencer à faire là, la commencer là à partir de mois mars et la pour 6 mois pour le faire. Mars, avril, mai, juin, août,
et pendant l'étude la fait là, pour aider nous pour ne pas passer sous pour ça. Parce que pour ne pas avoir de gros accident vient faire, nous jouons une banque mondiale qui vient aider nous tout, là pour déviation pour nous. En attendant l'étude la fait pour construire pour. Déviation sont déviations temporaires. Il y a fait qui pour permettre que la machine va passer sous pour encore pour ne pas sombrer avec le monde qui est la machine. Pendant l'étude la fait, demandez de léguer des banques mondiales. Mais Jérémy, pour toujours mettre nous au courant de tout travail qui a passé. Ça veut dire, travail qui a fait là, songez étude là, la pour étude la fait, le rapti tout le temps, d'attendez, pour faire plusieurs visites dans les Jérémy pour l'étude la fête, parce que automatiquement l'étude la fin fait, la salle de la vergonce pour permettre la construction pour un l'argent pour coûter entre 14 et 16 millions de dollars pour ça, parce que c'est bon, sauf pour. L'argent joint, étude là en 6 mois. La commence en mars, la fini en août. Et pour appel de fait, moi t'arrête, franchement, avant d'aller, ouais que compagnie la construit pour commencer. Ville Jérémy, c'est une zone qui te voté président Jovenel Moïse à 94% pendant la dernière élection présidentielle. Yo. Jounen jodi a chef l'État dit li important pour citoyen yo bénéficier tout service l'État doué yo à différents niveaux. Président Jovenel Moïse mande population an éviter sa krasé brisé yon façon pour tout projet qui en cours yo ka abouti nan délai qui fixé. Du Chiti pral monter nan rang commune après le fin passé 178 l'année comme section communale sous compte Pestel. C'est président Jovenel Moïse qui fait annonce là. Sous applaudissement population du Chiti qui t'a fait demande ça depuis longtemps. Désormais, du Chiti pral bénéficier tout service l'État yon commune doué gen pour fonctionner. Ministre intérieur k'ap gade m k'ap tande m la. Pas oublier moi wè document du Sisio. Moi document vieux Boudakin. Moi mande pressé pour voyer commission technique là. Qui pour venir chita avec société civile du Chiti. Parce que pas oublier, le commune politiquement vient déclarer. Ce n'est pas demain matin l'arrêté après le fait. Ça veut dire qu'il faut faire délimitation. Il faut bien en tête entre Moun Pestel. En tête entre nous du Chiti côté lié là, les limitrophes avec Beaumont. Les limitrophes avec Campérin. Les limitrophes avec Pestel. Je crois que l'autre commune encore peut te dire les limitrophes. Les limitrophes avec Maniche. Quand il y a les limitrophes, je crois que 16 limitrophes avec Corail. Ça veut dire que faut mon travail technique qui est venu faire pour ne pas gagner la bataille. Après, tu sais, tu fais une commune pour donner des bons. Mounsa dit que portion de ça, c'est sous commune. Corail, il n'est pas sous commune. C'est pour ça, technicien qui l'a pour ça, CNIGS. Delivery unit qui n'a pas l'air. Pressé, je dis à samedi, dis 6 semaines lundi qui va venir, entre lundi et vendredi, mardi samedi prochain, pour équipe technique ça, les Kachita avec société civile du Chiti. Ça m'a demandé qu'à Zek là, que tu te parles là. À Zek là. Rapidement monter en comité avec nos tables dans la commune, non? Parce que nous avons qu'on est maître du commune, non, déjà. C'est la même chose. Quand il y a pressé pour délimitation fin fait, moi-même pour lui rejoindre pour me passer en conseil des ministres et automatiquement fin passer, nous-mêmes encore, parce que nous sommes tant de casques là, j'ai une parole là, moi-même tout dit ça. Moun sa devant moi, c'est le chef moi. Parce que c'est eux qui mettent mon côté mien. Ça veut dire eux-mêmes, oui, non. Cartel qui pourrait le diriger du Chiti, ils ont même fait un mandat, ils ont fait un mot, ils ont dit, ça veut dire qu'ils sont obligés, dans une grosse réunion qui pour faire avec la population, la société civile là pour le choisir, trois membres, ils voyaient pas moi, et puis à ce moment-là, moi-même,
moins nommé. Même gens ça a commencé fait dans pile commune de pays a président Jovenel Moïse passé instruction pour une étude faisabilité qui vient faite du Chiti une façon pour zone ça bénéficier dans programme courant 24 sur 24 là. Président mandé population pour commencer mettre tête ensemble une façon pour joindre terrain pour construire centrale électrique du Chiti a. Pour même gens poteau électrique débarqué hier soir dans bonbon pour faire électrification commune bonbon. Poteau électrique débarqué quoi mardi soir dans commune Corail pour électrifier commune Corail. Ministre m'a dépressé pressé pour étude du Chitia pour technicien aider à Chauvin la sur place. Parce que nous savons. Mounsayo qui devant nous là, c'est des mounsayo même avec haïtiens qui vivent dans Port-au-Prince. Des mounsayo même j'ai haïtiens qui vivent dans Jérémie. Haïtiens qui vivent au Caï, haïtiens qui vivent Miragouane, haïtiens qui vivent tout l'autre côté qui a un gros réseau électrique. Vos régions, les ministres, pas un bout de fil, dit-il. Ça veut dire pas un bout de fil. Ça veut dire mounsayo. Ce sont des oubliés de la République. Dans du Chiti, coup présidentiel la passé un bon moment, la caille Olicia à Clessido, une n'a plus ancien famille dans la zone. Nan. Tout de suite après, président Jovenel Moïse te fait un crapé dans la commune Roseau pour brasser l'idée à la population sur quel travail qui mérite fait dans la zone ça, tant pour électricité, construction place publique là, intervention d'INEPA dans la source de l'eau à l'autre encore. Chef l'État a visité tout, yon usine asphalte tout neuf li fait rentrer dans la commune Roseau. Côté c'est la gravel département Grand Anse pour l'installer pour continuer construire route dans toute commune en dans département Grand Anse. Déployer agent santé communautaire yo ak mobiliser ressources matérielles dans cadre opération plan stratégique santé communautaire 2020-2030, c'est engagement ça acteur yo prend pour renforcer secteur santé ya. La stratégie des soins de santé primaire a obtenu et obtient encore l'aval des autorités sanitaires mondiales comme étant la plus pertinente et la plus efficiente pour l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. De cette stratégie, nous retenons les éléments suivants. Les soins préconisés ont pour caractéristique d'être essentiels, accessibles, universels et fournis par des agents de santé communautaire avec la participation de la population. C'est bien dans cette optique que nous procédons aujourd'hui au lancement du plan stratégique de santé communautaire 2020-2030. Nous nous en réjouissons et nous vous félicitons toutes et tous pour cet accomplissement, car il s'agit bien d'une œuvre commune. Document ça pour orienter le gouvernement système-là, non réduit quantité de monde qui a mouru qui n'a pas gagné accès à l'action santé, d'après le représentant UNICEF OMS OPS. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, dans le cadre de son programme de coopération avec le gouvernement d'Haïti, a toujours été fortement engagé dans les approches communautaires afin d'intégrer les communautés dans l'action, mais aussi et surtout dans le but d'atteindre le maximum de cibles bénéficiaires. C'est la raison pour laquelle, dès que le ministère de la Santé publique et de la population a exprimé le besoin de doter le pays d'un plan stratégique de santé communautaire en 2018, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a mobilisé les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, l'USA, le Fonds mondial, le Canada, mais aussi l'OPS, OMS, le FNUAP, pour ne citer que ceux-là, et n'ont ménagé aucun effort pour accompagner le processus de façon solidaire. Que l'OPS OMS a été parmi les premiers partenaires à travailler avec le ministère de la Santé dans les années 2010 pour accompagner l'initiative des agents de santé communautaires polyvalents. Donc, nous restons encore aux côtés du ministère et d'autres partenaires pour nous assurer que cette initiative, qui a eu pas mal de succès mais aussi des contraintes sur leur chemin, mais qui quand même a pu arriver où vous êtes, donc mérite un soutien continu de la part de l'OPS OMS.
Plan stratégique santé communautaire, c'est une nouvelle approche pour améliorer le système santé, une initiative mondiale supportée. Saint-Donel et Manès et Milfrance Stanley alias T-Sec, c'est nos deux présumés bandits direction départementale police et plan présenté à la presse de mars 2021. Selon porte-parole la 8 décembre, Saint-Donel et Manès qui joignent arrestation pour les mars là, c'est une évadé prison civile quoi des bouquets. Et Milfrance Stanley, lui-même, t'a gagné doit être trempé dans la mort policier Joseph Charles qui était fait dans Savon Ouest, première section communale Miragouane, dans le moment pays local. Arrêté Saint-Lonel Manès, qui s'est en évadé prison dans la prison de la députée. Et dans le moment ça, il y a un garde à vue, mais voilà, on a pu tendance sur le fait, soit pour vous rechercher ou bien pour vous transférer dans l'autre prison. Nous gagnons 1000 francs d'année, alias 17, et citoyens spécialisés dans boulet caoutchouc, policiers, policiers. Et monsieur, c'est une volonté de fier policiers. Et je suis Saint-Charles, dans la cité 22 novembre 2018, j'ai fait le pays de là. C'était occasion tout pour responsable PNH Nipio dresser bilan travail pour mois février passé. Sur un total 56 cas yo exécuté, yo saisi yo arme à feu dans la commune Fondeneg, yo traité 38 cas flagrance et yo exécuté 18 mandats. Natacha Jean-Jacques, département né, Télévision nationale d'Haïti. Mais promettez nous donc à le faire à l'aide pour l'autre gens. Pas oublier, c'est pas parce qu'on a une volonté pour nous capables. Jodian, tout ça va faire, il faut un contrat, quel que soit ça va faire. Moi, je souhaite un budget rectificatif. Dans le budget, ça, nous avons fait tronçon et oui, la lettre qui commence de Monseigneur jusqu'à Grand Rouen en béton totalement hydraulique. Nous souhaitons que nous avons dans l'autre type de gris pour y avoir ou ça pour l'autre gens. Mais nous avons un projet dans la lettre tout. Côté Riel Alette, à partir de là, nous avons fait un dénivelé, nous avons passé en l'air sur Grand Rouen, nous avons passé en l'air sur Aritouman, nous avons descendu jusqu'à Bozon, Matissan 7. C'est un bon projet que nous proposons par la Banque mondiale ou BID. Qu'est-ce qui a aidé nous? Qu'est-ce que c'est ma force? C'est le compte public tout? Oui, c'est le compte public. C'est moyen de gagner qui fait que c'est ma force campagne de ranger. Bon, toujours moyen. Pas bien, nous avons un budget totalement limité, et si vous ne pas bien. Vous avez un cop dans l'autre composante. Ou pas qu'à faire, ou pas qu'à apprendre pour faire l'autre bagaille, il n'est pas passé. Même quoi, mais dans le budget rectificatif, on a mis des corps pour voler ça, pour nous rester dans le carré paré. Nous sommes un peu l'expert dans la question de sécurité ici. Il croit que TPT, c'est un job par les cabayes, il y a une contribution par les cabayes. Pour pile en poule, n'importe quoi, ça par l'humain. Quand il y a une zone qui est une zone qui est réputée zone rouge, on peut pas l'humain, et ça entrave le travail de la police là. D'accord. Si ça arrive dans les oreilles et qui disposition TPTC capable de prendre, je dis avec Sangela comme réalité dans la question de sécurité, qu'on t'a bail coup de pas nous. Ça arrive, je crois samedi après-midi, moi crois c'était Dr. Evenson, président, moi-même, Dr. Evenson, nous avons réuni comment pour nous allumer lampe dans tous les côtés. Et nous prenons le choix comment taxer mon. Parce que lampe qui pour l'humain, ce n'est pas IDH qui vous paye. Il faut que le monde paye. Est-ce que c'est mairie qui paye ou bien est-ce que c'est client qui paye? Non, c'est des pays communs qui fait. Chaque monde partage dépense ça. C'est ça que nous allons constater bientôt que le directeur général a gagné pour clarifier le beaucoup plus. Pour dire, non, qu'on y a deux, mais qu'on boule et on gagne en 1%, en 2% qui augmente la donne, que qu'on a rien qui tend, ou même participer la donne. Et bientôt ça va le faire. Soudainement, tu es un ensemble de poules. Dès qu'on est dès le soir, on a tout traité, puis il ne faut pas allumer encore. Et personne ne connaît ça passé, par une explication de base, que c'est un traité qui n'est pas fait. Et quand l'argent que tu as dépensé pour un poule, ça va t'acheter. Tu es allumé soudainement. Ça va sur le compte de travaux publics. Lui, sur le compte de lui, moi, j'ai une étude qui fait un projet sur lui. Et je ne sais pas qui est-ce qui gagne. Bientôt, on va le réhabiliter. C'est à dire tout route d'Elma et l'autre route pour camper l'Amsayo. Certainement, on est mal venu, on va gagner un entretien dans le deal et l'absence d'entretien fait au fini vite. Moi, je crois qu'on va le réhabiliter. Moi, j'ai un pile qui est content pour moi adresser nous matin hein, comme nouveau président syndical. C'est avec un pile respect pour moi couper bien bas devant nous tous pour me dire merci de ce que nous avons fait choix d'équipe ça pour diriger le syndicat. Pendant
3 l'année qui va venir. Permettez-moi de dire que la campagne a fini, c'est tout ça que nous avons gagné comme slogan la campagne là qui peut passer comme action syndicale. Tant que prime pour travailler à travailleuse qui travaille dans mauvaises conditions, parfois sans équipement, cafétéria pour tout le monde à la ronde badère, l'institution a doué en réalité. Clinique santé pour tout travailleur, qui ça qui ici là, ça yo qui troutier, axi la yo qui dans l'autre vidéo. Ça fait fond pension pour moun yo dit qui gagne trop plein pour employer yo. Décret 15 août 2015, président Matelia te dit qui j'en ça doit fait. Travail là, pas petit. Mais c'est la bonne collaboration en direction générale là, avec l'administration. Syndicat a tout travail pour SNGS privé Sali Douéa selon arrêté qui te fait l'union institution nationale. C'est avec un sentiment de satisfaction les noms des Haïtiens qui mettent tête ensemble pour réfléchir ensemble. Et nous connaissons que la question syndicale, ce n'est pas un bagage seulement qui est en Haïti, c'est un bagage qui est à travers le monde. Parce que chaque monde qui est là, c'est employé institution. Donc si vous venez organiser, il va faciliter nos tâches. Bon, fraîchement installé, nous passons un mois à prendre et à chercher des informations, comment boîte a fonctionné, passer dans chaque service qui gagne, comment vous fonctionnez, qui a besoin pour plus performant. Et réunir avec quatre techniques que nous gagnons en termes de savoir pour nos produits, de réflexion. Pour nous gagner de projets qui sont capables de faire que SNGRS côté l'IA, nous venons faire le plus ouvrir l'IA. Non seulement il y a une possibilité pour le collectif Adrayo, mais garder dans la meilleure façon que il y a pour le collectif Adrayo, chercher une meilleure harmonisation avec les mairies. Et puis, le plus gros problème, le plus gros projet que nous gagnons, c'est réfléchir sur la transformation des déchets en Haïti. Le palais de transformation, c'est tout un projet très volumineux. Et parler de harmonie avec la mairie, c'est pas bagarre facile du tout. Et puis montrer que le syndicat nous va le travail avec eux pour que les employés que nous avons non seulement nous touchent à l'heure, mais nous veiller à ce que les droits eux même toujours respectés, garder avec le gouvernement, avec le Premier ministre, le président de la République, comment capable de doter l'institution de matériel qui a fait que l'institution est performante. Et puis garder avec les bailleurs de fonds, l'autre côté qui a un projet, qui a œuvré dans la question de domaine de collecte de données bien la transformation mais sur l'environnement. Regardez qui ça nous capable de jouer pour nous faire que l'institution que nous-mêmes nous représentons et viennent vraiment retrouver le rôle, viennent placer dans l'institution, ou dire des institutions régalées en Haïti pour venir s'engager ça. Donc c'est mission, c'est le rôle, et ça, c'est l'objectif ça que nous allons être. Travailleur médical ça y est, marché sorti dans l'hôpital là, qui dans Delma 33 pour arriver sur route Delma. Personnel médical si là, il fait qu'on est. Li pa normal pour citoyen continuer victime en bas men bandi ak zam nan peyi a. L'hôpital la pe nous sorti, n'a mande justice pour docteur Padi ou assassiné. On moun ki décide bay ville pour Haïti pour le construire yon nation avec santé et puis c'est li mouri nan état pareil. C'est tout peyi a ki pedi d'après résident l'hôpital la pe yo ki considère docteur Padi comme yon moun ki te toujours pari pour sauver la victime moun ki malade. Que nous perdons qui toujours est tout si monde bien. D'ailleurs, son gros bagage nous perdit. Haïti perdit. Moundelma perdit. Port-au-Prince perdit. Docteur perdit. Donc, pour un gérant immobilier, gérant bâtiment, on est comme ça. On est bon docteur comme ça. Ça révolte nous. Collaborateur Lyon dans l'hôpital La Paix, mandé tout l'autre secteur dans la vie nationale là pour faire solidarité avec médecin yo pour condamner Zak assassinat ça qui révolte toute société. C'est tout l'hôpital la planète. Et pas en question de docteurs, tout le hôpital. Et la demande publique là tout. Pour qu'on rejoigne nous. Pour qu'il n'a pas fini. Parce que qu'il n'a pas pas bon pour nous. Nous travaillons avec stress. Et là nous prenons l'arrière nous paix. Moto trompé nous paix. Machine trompé nous paix. Moun garde nous mal nous paix. Donc, faut nous travailler dans bonnes conditions avec la paix. Faut la sécurité à fini. Qu'il n'a pas fini. Docteur Hans Padi, médecin, 63 l'année, c'était une responsable service pédiatre dans l'hôpital La Paix d'Elma 33. Collègue médecin qui était contre travail avec dans l'hôpital là, souhaitait docteur Padi joindre justice pour Zak Sayo suspend produit dans la société. Hier, nous avons reçu l'ambassadeur de Taïwan
qui en Haïti. Hein? Nous avons parlé de questions pays en général, de travail que le gouvernement taïwanais a fait ici. Et nous parler de perspectives surtout, qui pour Kounia paraît un peu sombre dans le cadre de tout ça que nous avons entreprendre comme activité de développement. Et Jodia, nous avons dit aussi d'inviter la presse pour le venir participer ensemble avec nous dans une visite qu'on prestigieuse délégation de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. J'étais ici hier, je viens en Haïti, je viens de rencontrer en pile personnalité monde politique là, tant que l'autre personnalité que je souhaitais rencontrer. Mais nous connaissons que je viens de rencontrer le président de la République, je viens de rencontrer le président du conseil, la présidente du conseil électoral. Je viens de rencontrer le président du CSPJ, bref, le président de la Cour de cassation. Et il a été choisi pour rencontrer avec nous-mêmes dans le Sénat. Et c'est le vice-président du Sénat qui lui-même était à la base de toute planification. Ça y est. Et moi-même qui ai gagné occasion au nom du Sénat de la République en rencontrer délégation. J'ai besoin qu'on ait sa capacité. Ouais. J'ai besoin qu'on ait qui j'ai au cahier. J'ai besoin qu'on ait qui ça encore possible. Et perspectives jusqu'à présent paraissent sombres. Je comprends une difficulté auxquelles je n'ai pas dit le pays a fait face. Et je comprends tout nécessité de mettre ensemble, de mettre en commun pour nous voir qui ça peut-être que nous capables qui encore. Nous sommes capables de encore, nous capables de sauver. Je parle de situation Sénat lui-même, qui au 7 février pas de pour ton parole inachevée. Et nous comprenons encore que jeudi, il y a une élection qui est annoncée, il y a un référendum qui est annoncé, pendant que nous. Toujours comprendre et ne pas sortir sous position nous que ce conseil électoral n'est pas assermenté et nous comprendre le référendum non, jusqu'au moment où on a parlé, le Sénat n'a pas été consulté, même pour mettre commission pour te mettre référendum, pour te mettre conseil qui pour travailler sur question ça, tout ça nous débattions. Et nous comprenons tout qu'il faut ce retour à l'ordre constitutionnel, à l'ordre démocratique. Il faut aussi que le personnel politique soit renouvelé. Nous comprenons que je n'ai pas dit à nous une population tout, et qui croit qu'au 7 février 2021, mandat président Jovenel fini, selon le vœu de l'article 134.2. Toutes questions sérieuses, c'est des questions qui te débattent. Et dans l'échange, nous, OIF prend note, il prend acte, et il vient pour le rencontrer avec l'autre acteur. Et très certainement, avant au parti, il y aura jusqu'au 8, avant au parti, il y a bien pu faire un point de presse. Et c'est eux-mêmes qui ont dit nos compréhensions par eux. De situation. Projet de constitution, son réflexion globale société a fait, sous façon que vous êtes capable de réorganiser la société, reconfigurer le pouvoir, reformuler ou réénoncer les règles pour être capable de jouer plus d'efficacité dans la gouvernance politique, économique et socioculturelle. Donc, son réflexion globale, donc, bon premier base qui était faite avec tout rapport qui fait déjà début 2007 et que le comité a été. Travail sous yo, essayons notre cadrage qui était recentré des bails sur un série de points critiques concernant le régime politique, à savoir pouvoir exécutif là, pouvoir législatif là, pouvoir judiciaire là, et même parti politique qui est rentré dans l'instruction. Et gouvernance et administrative,
côté que nous dépendons toute question de décentralisation, toute question d'indépendance. Et puis, l'autre point critique, c'est un système électoral, système la nationalité, question des charges, question qui est liée à la citoyenneté, etc., etc. Donc, côté que nous, pendant novembre, décembre, nous avons rencontré des experts qui étaient capables de guider nous dans la réflexion, ça, approfondir. Et c'est sur base ça que nous ont été proposé sous forme de constitution, qui était un document de réflexion, et là, nous soumettons ce document ça à la population, et surtout groupe organisé pour capable de réagir et approfondir encore des dispositions qui proposaient dans le texte là. Donc dans ça, nous avons un calendrier de consultation qui commence déjà. Et la semaine dernière, nous avons avec FAMIO. Ensuite, nous avons tout secteur handicapé, jeunesse, leader quartier populaire, secteur magistrature et profession judiciaire, juridique et secteur syndical. Alors, c'était qui est une initiative autonome qui au point, peut-être que la bienvenue du secteur pour capable de venir faire nos parts de réception qui est offerte. Et secteur de l'amour. Et ça, c'est des consultations à faire au niveau national. Et au niveau, on continue à faire pour au prince. Et ensuite, on a tourné dans 10 départements qui a commencé 11-12, qui a fini le 7 mai. C'est-à-dire que chaque week-end, on a mon département et que même secteur nous rencontrer au niveau national pour au prince, on a bien pour nous rencontrer l'autre grand chogène au niveau département. En fin de compte, un compte national provincial, c'est recevoir et recevoir le comité. Parce que ça veut dire que pour gagner, alors, pas parler pour tout département, parce que nous voulons gagner un contact formel avec tout département, ni demande. Et c'est que, en tout cas, les dates, ils proposé. Mais dans le côté, vous parlez pour la place centrale, dans l'Artibonite, nord, nord-est, sud, grand-dense. Vous citez ça au côté que, qui déjà programmé et toute mise en place sur l'engagement. C'est chambre de commerce qui entité qui a organisé l'événement. Alors, bien chambre, l'autre chambre de commerce, comme on a commencé avec la place centrale, qui te font base de conception, artisio, au fond, c'est chambre de commerce de la place centrale là, qui était celle, puisque nous avons fait l'avancement avec eux, et que il y a un sac par le ministre de la place centrale pour comment organiser, pour même l'organiser la caillou. Et que eux-mêmes, ils prennent le responsable de tout ce qui concerne la logistique, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui fait choix, ça, le côté de parler, qui offrent nous son, et c'est eux-mêmes tout qui fait mobilisation de la presse départementale, c'est-à-dire que nous n'avons pas rien de ça, question banderole, question qui concerne la communication, et question invitation, et tout. Donc, nous travaillons avec la chambre de commerce, et nous travaillons avec l'autre instance d'organisation, par exemple, nous avons des réseaux femmes que nous en contact, qui devinent. Chaque secteur qui est l'un fait au niveau national, l'un a fait avec le secteur, et une délégation qui sont dans la province de Vini. Donc, c'est même mon délégation, ça, mobilise le secteur là, qui tout, et dans le département où l'un a fait. Donc, les sûr qu'on peut dire à la fois de ça que la chambre de commerce là-bas, ça que les réseaux qui devinent, l'organisation vignée au niveau de l'ANAFE, au niveau sectoriel vignée, il y aurait de nous constituer l'issue. De telle sorte que nous avons des représentants qui sont dans chaque commune. Et que, et les gens qui sont dans la commune, c'est eux-mêmes qui peuvent aller. Parce que si vous ça veut dire que vous d'accord avec le projet, c'est eux-mêmes qui peuvent faire une rencontre d'opportunité en dans la commune pour capable faire population, en dans la section communale, en dans l'habitation. Et pour que vous capable faire population, découvrir ça que nous là, ou bien discuter avec eux, ils prennent vos positions. Nous avons des citoyens comme ça, qui voyaient, même dans la diaspora, ou ici, et qui voyaient spontanément des oppositions. Par exemple, par contre, c'est une cité, mais il y a quelques personnages nouveaux. Oui, je ne vais pas citer, non. Je ne vais pas oublier, mais il y a des personnages, des personnalités qui sont dans la diaspora, mais en Haïti, qui voyaient spontanément des propositions pour nous. Mais ce qu'on a fait, c'est que Naptan n'a pas rentré propositions au Yon Bayon. C'est que Naptan nous finit gagner. En général, c'est toujours même article visé, même bagaille. C'est que Naptan nous finit gagner toute réaction. Et puis, Naptan, on se met pour nous faire travail de mise à jour. Si rien de secteur, de groupe organisé, de citoyens qui gagnent des documents, qui gagnent des recommandations, ils ont proposé à comité. À qui j'en peux faire pour entrer en contact avec nous là? Gagné dans le local, comité a gagné à proposition. Avec le monde qui a venu, les propositions. Sinon, bon site, c'est nouveauconstitution.com. En tout cas, il y a sur Internet, vous tapez nouveauconstitution.com et puis après, il y a tombé sur ce site là. Et il y a un côté qui a posté. En tout cas, il y a un bon lien, côté qui a
vous a posé des propositions. Donc, première phase, c'est ça, ce côté que nous avons fait, nous avons pris connaissance de tout rapport, de connaissance des produits sur la question de restitution en Haïti, et que nous avons complété ça avec des experts sur certains points qui nous trouvaient demande de réflexion. Encore que bien, il y a des points qui étaient ouverts, nettement ouverts, que nous pas vraiment tranché sur eux, sur toute partie du conseil, question de stérilisation, question de ça, beaucoup pas tranché. Nous quittons ça, c'est encore en débat. Et que dans la deuxième phase, là, nous allons recevoir toute organisation qui te recevra ce texte-là et qui te fait des ateliers et qui gagne des commentaires dans le bail pour y avoir une possibilité de faire commenter ça au public et bail toute nation. C'est-à-dire que l'un parle, c'est-à-dire que le c'est des groupes. C'est-à-dire un groupe qui pas suivre un texte-là, qui pas réagir sous lui, qui pas bagarre, bon, il y a toujours quatre qui vous unis, il y a toujours une vidéo, mais c'est pas au cap prendre la parole, non, pour obvio. C'est-à-dire que groupe qui prend la parole, c'est-à-dire que l'on voulait n'a fait des forums et groupe yo y a pour faire l'avant. Si vous voulez prendre la parole, faut yo capable, yo même qui déjà font travail déjà ou une communauté résultat travail. Donc c'est son lieu de communication, de résultat, restriction que groupe yo fait sur constitution. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.